C'est le 3e anniversaire de l'accident de Fukushima. La situation est loin d'être réglée concernant la centrale de Fukushima et Daiichi. Dans la mesure où il y a une contamination permanente d'eau radioactive qui à la fois imbibe le sol et à la fois va au niveau de l'océan Pacifique et contamine toute la chaîne alimentaire qui vit dans les eaux. Même maintenant en Californie, on trouve du poisson contaminé.